Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour vous présenter mes produits terminés du mois de juillet et d'août. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que la rentrée s'est bien passée. Alors, je me rends compte que j'ai pas le... Oui, c'est normal. On va commencer de manière claire et succincte. J'ai terminé la lotion régénératrice citrus et citrine de la marque Léa Lani avec un packaging. Il est juste magnifique. J'ai pas la bouteille parce que je l'ai utilisée pour mettre de l'eau pour mes cheveux, je crois. C'est une brume qui sent très bon. La fleur d'oranger, c'est léger, floral. Franchement, c'est une brume qui sent très bon. Alors par contre, le spray, c'est genre pitoyable. Je vous avais demandé... quand je vous avais présenté mon haul écocentrique, de me dire en commentaire pour celles qui avaient testé cette brume, si vous aviez eu le même problème. J'en ai eu quelques-unes qui n'avaient pas eu le problème, mais la grande majorité, effectivement, le spray, c'est n'importe quoi. Il est hyper puissant, enfin c'est même pas une nébulisation douce et harmonieuse, non non, c'est un jet qui vient limite te faire ressortir les points noirs, hein. Donc bah rien que pour ça je l'achèterai pas parce que franchement elle est pas donnée, je crois qu'elle... Je dirais peut-être qu'elle est dans les 40-50 euros. Ou alors je fabule. Mais je crois, mais par contre elle sent vraiment trop bon. Donc voilà, je l'ai testé. Mais voilà, tant que le spray n'aura pas été résolu, bah voilà. Alors j'ai terminé le dentifrice Le White de la marque Le Bon. Là aussi on a un packaging qui est magnifique, donc c'est une marque française. Et donc là le parfum c'était menthe douce et thé vert. Donc c'était le gros format, j'ai les petits formats aussi. Donc là je pense qu'après je vais l'ouvrir parce qu'il en reste encore un petit peu. Ça sent trop bon. En fait ce qui est vraiment marrant avec ces dentifrices, c'est qu'effectivement les saveurs qui sont annoncées, on les ressent vraiment en bouche. Et là on avait vraiment le goût de la menthe avec du thé vert. C'était très frais. Franchement j'ai adoré. C'est sous pâte blanche semi-épaisse. Ce qui est juste relou, comme disait Laurence de Bourrique, c'est que ça vient dégoulasser le goulot. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc voilà, très bon dentifrice qui vaut très cher. Pour l'instant, je ne vais pas racheter celui-ci parce que déjà j'en ai d'autres. Et parce que de cette marque-ci, j'aimerais bien tester leur petit pack avec... Il y a ananas, rooibos, menthe, cannelle, menthe et un autre, je ne sais plus. Et en fait, ces parfums me tentent pas mal. Et là, dans la salle de bain, j'ai encore le menthe tout seul, le vert. Et j'ai le rose, menthe et rose. Et mon fils d'ailleurs trouve que ça ressemble à l'Aïsti. Donc voilà. Mais voilà, si jamais vous voulez vous faire plaisir avec un dentifrice, et bah cette marque est faite pour vous. Puis même pour offrir, ça fait canon quoi. J'ai terminé le Summer Garden Shower. Donc c'est l'édition limitée de la marque Velleda. Et donc c'est un... Là c'est vraiment une crème de douche. Il y a marqué quoi? Exotique, ylang ylang, vivifiant et raffiné. Note d'ylang ylang révèle le parfum frais du citron et le copaiba ajoute une touche boisée. J'ai trouvé que c'était une revisite de la crème lavande citron de la même marque avec une note un petit peu plus florale. Mais rien de foufou quoi. Moi, quand on m'annonce ylang ylang, je veux l'ylang ylang quoi. Mais là, ouais, c'est pas, ça m'a un petit peu déçu. Puis après, c'est une crème lavante, somme toute très standard. Le packaging est très joli, ce pourquoi aussi j'ai craqué. Mais sinon, voilà. Type savon forever. Alors, forcément, qu'est-ce que ce serait des MT sans la manufacture du siècle? Alors, je vous le demande. Donc là j'ai terminé le cœur de Jane que j'ai acheté il y a bien trop longtemps et les huiles essentielles c'est volatile, d'autant plus les huiles essentielles d'agrumes et donc celui-ci à la fin il sentait rien, donc voilà c'est de ma faute, mais pour l'avoir ressenti là quand je suis allée à Carpentras il sent très bon.
Bon, j'ai eu un petit problème de batterie, donc me revoilà. J'étais en train de vous parler du savon Cœur de Jane de la Manufacture du Siècle. Et je vous disais, il me semble, je parlais des huiles volatiles et je vous disais que en étant allée sur Carpentras dans la boutique de Brune, je l'ai senti et effectivement ils sentent très bon. Donc voilà, c'est de ma faute s'ils sentaient plus rien à la fin. Et sinon, bah voilà, c'était un savon somme toute très efficace comme tous les savons de la manufacture. J'ai terminé. Un super déodorant, donc c'est un des nouveaux de Clémence et Vivien, c'est celui à la mandarine. Il sent très 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 bon. Ils en ont sorti deux, un à la mandarine et un à la vanille. Donc là en ce moment je suis sur celui à la vanille. Ah là là, il sent vraiment trop bon. La texture toujours aussi crémeuse par rapport aux quatre autres. L'odeur, voilà, elle est terrible. Et alors, ces deux-là ont l'avantage de ne pas avoir de bicarbonate pour les personnes qui ont bah, la peau sensible et qui font des réactions. Moi, c'est pas mon cas. Et du coup, j'avais un petit peu d'appréhension parce que j'en ai déjà testé un sans bicarbonate et c'était une catastrophe. Enfin, niveau odeur, parce que ça, ce sont des déodorants, c'est pas des antitranspirants. Mais niveau odeur, c'était vraiment la cata, ça neutralisait pas du tout les odeurs. Et en fait, celui-ci, il est aussi efficace que leurs quatre autres avec du bicarbonate. Donc bah franchement, pour les personnes qui ont la peau sensible, bah foncez. Au niveau de la senteur, j'ai une préférence pour celui à la mandarine par rapport à celui à la vanille, même s'il sent très bon. Mais l'autre reste un parfum et celui-ci c'est aux huiles essentielles. Et puis voilà, j'ai plus d'affinité pour le mandarine, mais franchement celui-ci, oui, un de ces quatre, je le rachèterai, même si mon préféré c'est le sucré. Il me semble que c'est celui-ci, sucré, ylang-ylang et sel. Forcément, il y a de l'ylang-ylang. Mais voilà, j'ai pu tous les tester. Donc au total, maintenant, il y en a 6 et ils sont tous efficaces. Franchement, ce sont de superbes déodorants. Toujours de la même marque, j'ai terminé leur savon de Saint-Bernard au petit grain et à l'orange qui sent très, 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 très bon. Vous noterez qu'aujourd'hui, nous sommes dans les très, très, très. Il sent vraiment le petit grain et du coup c'est une huile qui est une huile essentielle qui est très anti-stress, tu vois, qui te fait bien quoi. Et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, un savon saponifié à froid. Un bon savon. Là voilà la bouteille de la lotion Léa Lani. En fait non, je ne l'ai pas utilisée pour mes cheveux, ça n'est une autre. Ouais, l'odeur elle est canon. Mais franchement le spray, il n'est pas canon lui. J'ai terminé une petite bougie, figue éternelle de la bougie herbivore. Donc figue et Delvice. J'aime beaucoup les bougies à la figue, très sucrées. Et celui-ci, elle a des Delvice qui vient tamponner un petit peu ce côté sucré en apportant une petite note florale. Mais franchement, c'est une très très bonne bougie. À la figue, j'ai testé celle d'Oparc, qui est aussi une marque française et parisienne. Il me semble, ouais, elle est parisienne elle aussi. Oparc, c'est vraiment figue, donc c'est vraiment très sucré. Celle-ci, c'est figue avec un petit peu de fleurs. Mais franchement, les deux sont canons. De toute façon, la bougie herbivore, c'est une très bonne marque de bougie. Avec notamment la... Mince. Elle s'appelle l'île Bourbon. Je crois. Je sais plus. C'est ma préférée au café vanille. C'est une tuerie cette bougie. J'ai terminé un autre déo. Donc c'est le We Love. Et j'avais choisi le Sweet Serenity. Je l'avais gagné lors d'un concours sur Instagram. Donc ils ont en format pot et en format stick. Donc celui-ci c'est le même format que le... Ben et Anna, j'adore ce format, il est compostable et donc du coup il a l'avantage, on ne met pas ses doigts et on a besoin de se laver les mains, après là c'est un stick, on applique et basta. L'odeur sent très très bon, encore une fois, c'est à la rose si je ne me trompe pas. Dedans vous avez de l'huile de coco, du bicarbonate, de la poudre de maïs, de la cire d'abeille, de l'huile de macadamia polyglycéryl, je sais pas quoi, de l'huile d'olive, du parfum naturel,
de l'huile de tournesol, de la vitamine E et on a un extrait de je ne sais quoi. Et tout est marqué en langue étrangère. Il y a juste ouais, la notice quoi. Il me semble que c'est rose. Mais je vous mettrai en bas. C'est une odeur, hein. Franchement j'adore. C'est une rose un petit peu boisée, oh là là, les canons l'odeur. Mais alors par contre, autant le Benéana, on était à deux dessus. Il nous a duré 3 mois. Autant celui-ci, il n'a même pas fait 1 mois. En fait, la texture est très crémeuse. Donc du coup, c'est hyper agréable à l'application. Hein. C'est comme limite un baume. Mais alors par contre, même si on fait attention, il y a beaucoup de matière qui se dépose. Et du coup, il n'est pas du tout économique. Donc voilà, à choisir, je rachèterai un Benéana. Que par rapport à celui-ci qui du coup est pas niveau niveau rapport pas qualité-prix, parce que qualité-prix y a rien à dire, quantité-prix bah ouais, c'est le point négatif parce qu'il se termine beaucoup trop vite. Là j'avais profité de mettre un petit échantillon dans mes empties, c'est le Honey Love 3-in-1, ouais c'est ça, de Léa Lany, c'est le masque qui fait masque, nettoyant, gommage. Donc il est sous forme de gros pot. Donc ça c'est Léa qui nous l'avait gentiment offert lors de la masterclass. Ouais, ça y est, elle se prend pour une américaine. La masterclass sur mon corner B. C'est une odeur de fruits. Franchement c'est trop canon. Et donc c'est un grand pot. Et vous avez des petits cristaux de... Ah je vais me tromper. Je crois pas que ce soit du sel, mais en tout cas les cristaux ils sont polis en fait, ils sont pas abrasifs pour la peau, donc ça fait pas de petites coupures si j'avais tout bien suivi. Et soit vous le laissez tel quel, dans tel cas les petits cristaux seront au fond et vous utilisez que le dessus qui est très riche en miel, en extrait, tout ça, qui va être très doux en masque nettoyant, ou alors vous pouvez remuer et ça vous fait un gommage. Après je sais pas si en le remuant une première fois, est-ce qu'en attendant au fur et à mesure des jours, ça retombe en bas? Je sais pas, ce serait une bonne question. Parce que du coup, si on le remue, ça reste tout le temps un gommage. Ou alors, on peut le poser en masque, mais délicatement, et après en gommage. Ou même en nettoyant. Je me perds. Je voulais dire que soit on le mélange, et donc du coup, bah, on a toujours les petits cristaux. Et dans quel cas, bah, voilà, c'est vraiment un truc pour gommer. Ou alors, on le mélange... On a les cristaux mais ils redescendent et dans quel cas bah, les autres utilisations, soit on le remélange, soit on l'utilise en masque ou nettoyant au très doux, je sais pas. Bref, toujours est-il que oui, je pense être susceptible de l'acheter parce que déjà ils sont très bons. C'est un 3 en 1 donc c'est pratique. Au niveau de l'efficacité c'était pas un truc de ouf mais franchement ouais j'aime bien, en plus il y a du miel et j'apprécie quand il y a du miel. Après pour un gommage, comme je vous le disais, je vais plus axer sur le si je sais plus quoi de Raw by Tris chez Luminescence. Ah je sais plus comment il s'appelle. Le si ah oh, je sais pas, je vous le mettrai. Celui-ci vraiment il est très très efficace. Mais celui-ci franchement il l'est également. Mon conjoint a terminé donc le concentré de sambon, Woodwood et Amiris. Donc je l'avais acheté sur Beauté Privée il me semble. Donc là c'est vraiment concentré, il y a le parfum et le concentré. Celui-ci est beaucoup plus fort, j'adore ce parfum. Je voulais lui demander ce qu'il avait préféré entre les deux. Mais il m'avait dit qu'il alternait entre le parfum et le concentré. Le concentré forcément est plus cher. Je sais pas du coup s'il en mettait moins que le parfum. Je vais lui demander et puis je vous l'insérerai, comme ça vous aurez également son avis. Mais sans bon, c'est vraiment des parfums très qualitatifs. J'aime beaucoup celui au petit grain Neroli. Celui à la figue aussi, il sent très bon. Je crois avoir toujours celui... J'en avais pris un à la vanille je crois. Mais il était très très sucré pour moi, trop sucré pour moi. Mais franchement, Sambon, c'est une très belle marque. En plus, si vous êtes proche de Lyon ou si vous habitez sur Lyon, ils ont un magasin, du coup une boutique physique. Et en fait, on peut venir recharger les parfums, donc ça c'est cool. Et sinon,
si vous êtes partout ou ailleurs en France, vous pouvez acheter des recharges. Moi c'est ce que j'ai fait, comme ça je les remplis et c'est moins cher. Alors là on a une petite pépite, c'est le Moonlight de la marque Cani. C'est Emily qui me l'avait glissé, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Il me semble d'ailleurs que j'avais fait une bourde et que j'avais dit ah je l'avais... Bon, je sais plus, bref. Non mais cette odeur, c'est un truc de ouf. C'est une odeur de fleurs, de tubéreuse. Oh là là. C'est... Oh là là, mais c'est une odeur de dingue. C'est une huile qui est pailletée pour le corps. Et en fait, c'est le côté pailleté, moi, qui m'enquiquine. Parce que je suis pas fille à paillettes. Mais l'odeur... Mais franchement, rien que pour l'odeur, je pourrais être susceptible de l'acheter. Je crois que le format est... Est petit et assez cher, mais l'odeur reste et une dinguerie. Franchement, j'en ai un petit échantillon. J'ai pu faire au moins 2 ou 3 utilisations sur le buste et les bras. Et ouais, odeur de dingue. Si vous passez commande, offrez-vous un petit échantillon. Vous allez tomber en amour. Je termine. Ah non, il m'en reste encore un. Deux. Un petit échantillon, le Lécor Orange Sanguine et Vanille de John Masters Organics. C'est un lait qui hydrate très bien la peau, mais alors par contre l'odeur, est-ce que je vais m'en souvenir? Je sais que j'avais moyennement apprécié. Je crois me souvenir pourquoi. Ah bah maintenant j'ai les doigts qui sentent le cani quoi. Ça sentait ouais l'orange sanguine, mais c'était une odeur un peu de... produit ménager, j'ai trouvé que c'était hyper chimique et pas tellement naturel comme on pourrait se l'attendre, orange vanille quoi. Donc non, j'achèterai pas ce lait. Et donc voilà, je voulais dire, je termine par le truc de dingue, donc le Purity Serum de la marque S5 ou S5. Je vous invite à regarder ma vidéo revue sur ce produit si vous ne l'avez pas vu. C'est un des meilleurs produits que j'ai pu tester depuis que je suis dans le green et même depuis que je suis née, parce qu'il a été hyper efficace sur mes boutons. L'odeur, j'adore, une odeur boisée, et les résultats quoi. Enfin, je veux pas réépiloguer, allez voir ma vidéo, mais franchement si vous avez des boutons, essayez. C'est que ce que je peux vous conseiller. Alors bien sûr, quelque chose peut convenir à moi et pas à vous. Mais franchement, vu le nombre d'avis positifs que ce produit a sur le site Mon Corps Norvé, même en le recevant, je me suis dit bon allez, je me fais pas de faux espoir, parce qu'à chaque fois je me dis ah ça y est, ça se trouve j'ai trouvé le produit miracle. Et puis bah très souvent je suis déçue parce que ça répond pas à mes attentes. Mais celui-ci, alléluia quoi. Donc oui, celui-ci je le rachète 1000 fois s'il faut. Il est trop bien. Voilà pour mes petits produits terminés de l'été. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout je suis là pour y répondre. Encore merci à toutes celles qui me mettent des petits pouces en l'air et qui commentent. Franchement, ça me fait trop plaisir. Et voilà, la chaîne elle est aussi pour vous. Moi je vous présente et puis après on échange, c'est le but. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.